tel que vous voyez votre humble serviteur devant vous, je ne fais rien sans se référer à ma hiérarchie. Le 2 juin, j'avais sorti une déclaration. Et je n'avais pas signé cette déclaration sous l'équitice de mon épouse ou bien de mes enfants. C'était sur instruction de ma hiérarchie. Aujourd'hui encore, cette même hiérarchie m'a donné des instructions pour déposer la candidature de l'honorable Patricien Seya. C'est ce qui est plus important pour moi au stade actuel. Je me réserve de tout commentaire. Je suis secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, vous me voyez là venir déposer une autre candidature au nom du parti. Ce n'est ni au nom de ma famille biologique, ni au nom de sa famille biologique. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter des confusions de part et d'autre. Les problèmes de coalition dont vous faites allusion, je tiens encore à vous préciser. FCC cache, nous sommes toujours en coalition, puisque pas plus tard, il y a 3 jours, que l'autorité morale du FCC nous avait fait parvenir la liste de ses mandataires et nous avons tout pris pour traiter ça ensemble. Il n'y a pas de problème que nous pouvons stipuler au stade actuel. Ayez vos apaisements. Quand il y aura un problème, vous me verrez toujours, comme dans mes habitudes, je ne me suis jamais caché derrière les rideaux pour dire quoi que ce soit. Restez d'abord calme derrière les dossiers que nous venons de déposer. Le reste de la coalition, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Ce qui est plus important, c'est les dossiers que nous venons de déposer.